Retour à Rouen. Ces Formule 1 des eaux vont entrer dans la course demain, mais dès aujourd'hui, le public, le grand public, pouvait découvrir les bolides. Quel regardez ce reportage ambiance. Le coup de starter n'a pas encore retenti, mais les badauds commencent à arpenter les quais à l'affût des bateaux en compétition. Au détour d'une promenade, certains en profitent pour jeter un œil du haut des ponts qui offrent une large vue du village des 24 heures motonautiques. On est en vélo, comme ça on vient d'arriver, juste comme ça, pour leur faire voir un petit peu les bateaux. Comme si on a une vue d'ensemble. Oui, on voit un petit peu tout, ouais, c'est sympa. Les plus curieux font le pied de grue derrière les grilles. Sans déranger les pilotes et les commissaires, ils assistent aux vérifications techniques. Une occasion de regarder de plus près ces bolides et surtout une occasion à ne pas rater avec un si long week-end. On vient du Pas-de-Calais. Pourquoi vous venez d'aussi loin ? Justement, avec le 1er mai, le pont et tout, donc 3 jours, c'est magnifique de voir ça. Ici, voilà. Vous êtes un habitué des 24 heures motonautiques ? Oui, ça fait 3-4 ans qu'on vient justement plusieurs jours pour voir les bolides. Tu les as tous devant toi. Et ces bolides, on peut même les voir d'encore plus près grâce au fameux sésame, l'accréditation. En général, la famille, les amis des équipes y ont droit. Ici, tout le monde se connaît, chaque équipe a sa casquette et surtout son comité de soutien. Dans les paddocks, pas vraiment de concurrence, la compétition, c'est sur l'eau. Je suis un peu née dedans. Et donc, maintenant, je connais les coques et tout. Donc, Et c'est lequel le plus beau bateau, là ? Oui. J'aime bien le 16 et puis le bateau à ma mère. Les plus audacieux ont pisté les pilotes à la recherche d'autographes, espérant avoir celui du prochain vainqueur des 24 heures motonautiques 2007.